des travaux d'urgence, des travaux d'entretien, parce que suite aux précédentes pluies en fin de fin d'année, il y a eu des dégâts sur l'orgue de chœur et surtout sur un gamelin qui est un objet d'art classé. Donc ça nous a vraiment alertés, effrayés, je dirais même. Et de ce fait, on a pris des mesures d'urgence. Dans un premier temps, en accord avec la DRAC, on a décidé de faire un état sanitaire global de l'édifice, de le mettre hors d'air et hors d'eau. Seconde phase, on attaquera l'intérieur. Mais ça sera vraiment après la première phase qui va prendre énormément de temps, mobiliser énormément de moyens. On va également faire appel au mécénat.